Good morning, Aleiden. Les tutos aujourd'hui, le Nishmat Amoamiona ben Chana, Peggy Bat Esther, Nissim ben Ahuda, ainsi que l'Irfouat, Efrat Mayan bat Léa, Teila Tzibora bat Talia, Betor Shah Chole Israël. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Avodazara, Perek Gimel, Mishnachet. Lo Yeshev Betzila, Veimi Yashav Tahor, Velo Yavor Tartea, Veim Avar Tame. הייתה גוזלת את הרבים ועבר תחתיה טהור וזורעין תחתיה ירקות בימות הגשמים אבל לא בימות החמה והחזירין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים רבי יוסי אומר אף לא ירקות בימות הגשמים מפני שהנמיה נושרת עליהן והובה להן לזבל. On continue à parler de la Asherah, l'arbre que l'on a planté pour la Avodah Zara. Plus précisément, on a vu dans la Mishnah précédente une machloket Rabbi Shimon et Chachamim, à savoir, Rabbi Shimon pensait que une, ce qui a marqué dans Asherah dans la Torah, va Asherehem Tisrefun Ba'esh. Alors la Asherah, on parle que c'est un arbre qu'on a planté pour le servir en tant qu'Avodah Zara lui-même, tandis que Chachamim pense qu'une Asherah, il suffit d'avoir planté l'arbre dans l'intention que ça allait abriter sous elle une Avodah Zara. C'est une grande l'égoïme. Les païens avaient cet usage de mettre une Avodah Zara sous un arbre. Donc dès qu'ils ont planté l'arbre pour qu'il pousse de manière à ce qu'il y aura ensuite, ça va devenir un lieu de culte où il y aura une Avodah Zara en dessous, alors cet arbre devient interdit en tant que Asherah et interdit d'en tirer profit. Chova de le devoir de le brûler, va Asherehem, Tisrefun Ba'esh, marqué dans la Torah. Maintenant, on va continuer à apprendre maintenant qu'est-ce que l'on a le droit de faire, de ne pas faire autour de cet arbre. Lo Yeshev Betzila, il n'aura pas le droit de s'asseoir sous son ombre. Tzel. Hashem Tzilcha, Tzila. Tzel, c'est l'ombre, donc on n'a pas le droit de s'asseoir sous l'ombre de l'arbre. Ve'im Yashav, par contre, malgré tout, s'il s'est assis en dessous, il a profité de l'ombre, pas en dessous, il s'est assis sous l'ombre. On va préciser ensuite de quoi on parle exactement. Mais en tout cas, il reste pur. Tandis que Ve'lo Yavor Tartea, et il n'aura pas le droit de passer sous la Asherah. Vim avar tamé. Et s'il est passé sous la Asherah, alors il deviendra tamé, il deviendra impur. Et on s'arrête là, on explique un petit peu mieux de quoi on parle. On parle qu'il y a donc ce Etz Asherah, un arbre qui a été planté pour en faire de la Avodah Zara en dessous, parce qu'il y a une idole. Et la Mishnah nous enseigne. Je commence d'abord par la suite de Loya Avor Tartea. Il ne passera pas en dessous et s'il est passé, il est devenu tamé. Il y a un pasouk dans les Tehilim qui raconte les Béné Israël qui ont fait malheureusement la Vera Ashitim avant d'entrer avec les Benot Moav. Et là-bas, il y a marqué Vaitzamdu le Baal Peor, Vaichlou Zivre Metim. Ils se sont collés au Baal Peor, c'était la Vodazara là-bas que les filles de Moav ont fait fauter les Béné Israël. Donc c'était Vaitzamdu le Baal Peor, ils se sont collés au Baal Peor. Le nom de la Avodah Zara s'appelait comme ça. Vayochlou zivre metim. Et ils ont mangé les sacrifices apportés en l'honneur de cette Avodah Zara qui sont qualifiés de zivre metim, des sacrifices de mort. Là, on a un passage qui s'est mis forash, qui compare la Avodah Zara à un mort. De là, Chachamim ont fait un décret que la Avodah Zara, l'idole, soit considérée maintenant comme un mort qui peut rendre tamé. On avait évoqué plus haut différents niveaux de Touma, je ne sais pas d'ailleurs comment ça s'arrange. Là, en tout cas, on apprend que c'est métamé. Kemet Beoel, puisque on la compare à un mort, alors du coup elle va rendre impur comme un mort, aussi bien qu'un mort il rend impur par le fait de se retrouver sous le même abri. Alors ainsi la Avodah Zara, si elle est dans une pièce, on entre dedans, on devient aussi impur, parce qu'elle est Metama Beoel. D'accord? Ça rend le fait d'être sous le même abri. De ce fait, si elle est sous un arbre, le fait de passer sous l'arbre rend impur. Et c'est ce qui est écrit donc dans la Mishnah. Velo Yavor Tartea, tu n'auras pas le droit de passer en dessous de la Asherah. Donc t'as pas le droit, parce que ça c'est tout simplement, bon, on apprendra, t'as pas le droit d'en tirer profit, t'as pas le droit de passer en dessous parce que tu vas te faire abriter sous la Asherah, et Veim Avar Tamé, et s'il est passé en dessous, il est devenu impur. D'accord? Maintenant on revient en arrière, et alors là on a un problème, qu'il y a écrit, Lo Yeshev Betzila, il ne s'assoira pas sous son ombre, Veim Yashav Taor, et s'il s'est assis sous l'ombre, il est resté pur, il y a un problème technique. Tu me dis que si je passe en dessous, je deviens impur. Et si je passe en dessous et je m'arrête et je m'assois, je vais devenir pur. Ou on a vu une chose pareille. Au contraire, c'est encore plus grave de s'installer en dessous que de passer en dessous. En fait, non.
Il ne faut pas comprendre, il ne faut pas expliquer comme ça le Mishnah. Quand il y a marqué que tu n'as pas le droit de t'asseoir à l'ombre de la Vodazara, c'est pas que tu t'assoies sous la projection, je sais plus comment ça s'appelle, en maths. Ouais, la projection, on faisait... Bref, c'est pas que tu te mets réellement sous l'arbre, mais c'est que, par exemple, le matin, le soir, lorsque le soleil est plus à l'est ou plus à l'ouest, alors l'arbre, il fait de l'ombre. Tu n'as pas le droit, même si tu vas peut-être sous la Hachera, le simple fait de profiter de l'ombre de la Hachera, c'est en soi-même à source, c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Tu n'auras pas le droit de t'asseoir en dessous, sous son ombre, même si tu n'es pas diamétralement, je ne sais pas comment dire, tu n'es pas exactement en dessous t'es pas directement en dessous son ombre, en dessous le feuillage, mais tu profites malgré tout de l'ombre de loin, et ben tu n'auras pas le droit d'en tirer profit. Tu n'as pas le droit d'en profiter, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Attention, regardons que tu as le droit de passer, mais tu n'as pas le droit de t'installer. Si tu passes, alors ce n'est pas considéré, puisque de toute façon, ce profit, c'est lié à une souga assez compliquée, on en parle, Biduk, à ce moment-là, dans Avodah Zara, à savoir, si je tire je profite de quelque chose que je n'ai pas le choix d'en profiter, ou je le fais de manière... je montre à tout le monde que je ne suis pas venu pour en tirer un profit. Le fait de marcher sous la rue, ça ne veut pas dire que j'ai envie de tirer un profit de la Avodah Zara. Il s'avère qu'en réalité, je profite en même temps de l'ombre. Alors, ça s'appelle Anah Shulomit Kaven. On n'a pas d'intention de tirer un profit, de le faire consciemment, de faire une action que je suis en train de tirer le profit. Et ce qui est en cela un interdit, la Mishnah enseigne justement que c'est permis. C'est permis de passer à côté, même si tu profites de l'ombre pendant que tu passes, parce que tu ne montres pas que tu es venu en tirer un profit réel, tandis que t'installer, profiter de son ombre, tu n'auras pas le droit, même si tu es donc éloigné de l'arbre, t'es pas réellement en dessous. Maintenant, encore plus grave, c'est de passer sous son feuillage. Alors la Mishnah vient nous dit, attention, le loyador tartea, t'auras même pas le droit non plus de passer sous son feuillage. Mais il m'avarta, mais si toutefois t'es passé sous le feuillage, alors là tu deviens impur, le simple fait de passer, même si tu t'installes pas, parce que c'est comme un ohel amet. Ok ? On continue maintenant dans la Mishnah. Aïta gozalet et arabim ve'avar tartea tahor. Alors là, maintenant, la Mishnah, on traduit d'abord. Aïta gozalet et arabim. Elle était en train de voler le public. C'est-à-dire, il y avait le Bet Avodah Zara, le temple de la Avodah Zara qui était planté, il y avait la cour de la Avodah Zara, il y avait là-bas la Hachera, dans le périmètre du temple. Et puis, il y avait son feuillage qui sortait sur la rue. C'est ce qu'on appelle qu'elle est gozelet et arabim, comme dans Babatra, on avait déjà vu la notion. Elle n'a pas le droit de sortir normalement. On n'a pas le droit d'avoir des branches qui dépassent dans la rue. De ce fait, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que cette Hachera, cet arbre-là de Avodah Zara, il a fait sortir sa branche sur la voie publique. Donc il n'a pas le droit. L'Avodah Zara, le curé là-bas, ou je ne sais pas ce que c'est, le prêtre, il a le devoir de venir la couper, de ne pas la laisser dépasser au rocher de Rabbi, mais il n'a pas le droit. Et il ne le fait pas. Et bien la Mishnah enseigne que celui qui est passé en dessous, il reste pur. Étant donné que cette Touma, cette impureté n'est que Midé Rabbanan, Chachamim m'ont dit, écoute, c'est des Rabbanan que quand tu vas réellement sous elle. Mais lorsque c'est elle qui empiète sur ton domaine, donc la voie publique, elle n'avait pas à y être, alors dans ce cas-là, elle ne va pas rendre impure si tu passes en dessous. Je crois que je l'ai même vu qu'on n'a pas le droit de s'installer. Mais plus important, donc on a fini d'abord. Aïta Gozalat et Arabim, si elle passait, donc elle avait volé le Rocher de Rabbim, elle dépassait le Rocher de Rabbim. Va'avar Tartea, il est passé là-bas, en dessous, il reste Tahor, il reste pur. Mais regardez que la Mishnah utilise un Lashon a posteriori et qu'il est passé. Mais en réalité, il n'a pas le droit de passer a priori en dessous, étant donné qu'on parle. L'Agma explique qu'on parle qu'il avait un autre moyen de passer et malgré tout il a décidé de raser les murs. Il va d'un point A à un point B, il aurait pu passer par un endroit sans passer en dessous. Il a décidé de raser les murs et de passer là où il y avait l'arbre. Donc a posteriori il n'a pas le droit de passer, mais malgré tout, même s'il est passé, il restera pur. C'est ce que j'arrive à nous enseigner. On continue maintenant à parler de l'utilisation du périmètre sous la Hachera, sous cet arbre. Et la Mishnah nous dit Vezorein tartea yirakot bimot ageshamim avalo bimot achama. On a le droit de planter sous elle, donc sous cet arbre de Hachera, des yirakot, des légumes, bimot ageshamim, dans les jours de pluie, donc en hiver, avalo bimot achama, mais pas en été. Soit, même principe, on n'a pas le droit de tirer un profit de la Hachera. De ce fait, si tu veux planter des légumes sous cette Hachera, il va y avoir la branche de l'Hachera qui va recouvrir le légume. Alors là, on a donc une question essentielle à se demander. Est-ce que la Hachera a un apport positif ou non sur mon légume? Et donc justement, en été,
où le soleil frappe fort, donc on est intéressé à faire pousser les légumes dans un endroit un peu ombragé. Donc tu profites de son ombre, tu n'as pas le droit de profiter de son ombre. D'accord? Bah, ça c'est Bimot Achama. Tandis que Bimot Agshamim, où finalement, pendant les jours de pluie, ou au contraire, on a intéressé le soleil, le peu de soleil qu'il y a, il est bénéfique pour les fruits. Et donc maintenant, le fait d'avoir planté ton légume, pour les fruits, pour les légumes, et le fait d'avoir planté ton légume sous la Hachera fait que maintenant la Hachera cause qu'il y a moins de lumière du soleil qui vient dessus. Elle prend moins bien la pluie aussi à cause de l'arbre, puisque l'arbre, il va aller, les feuilles de l'arbre, elles vont. Donc, puisque cette fois-ci, ça devient un apport négatif, donc ça fait perdre à la qualité, ton fruit aurait été mieux, ton légume aurait été mieux s'il n'y avait pas eu cette Hachera. De ce fait, tu n'as pas il n'y a pas d'interdit à planter le légume pendant les jours de l'hiver. Va chazirin pendant les jours de pluie. Va chazirin, tandis que pour les salades vertes, les laitues, les romaines, les frisettes, et tout ça, d'accord? Pour les salades, il faut savoir, c'est toujours lobimot achama ve lobimot akshamim. Tu ne les planteras ni durant les jours de soleil, ni durant les jours d'hiver, ou les jours de pluie. Pour quelle raison? Parce que dans ce cas-là, ce type de pousse a toujours besoin d'être à l'ombre, même en hiver. Même en hiver, elles ont besoin d'être à l'ombre, que le peu de soleil qui va briller pendant la journée, qui lui tape pas dessus, sinon ça fait un peu noircir les feuilles, j'imagine. Et donc, dans ce cas-là, tu n'auras pas le droit de les planter, même pendant le. Donc, puisque la Hachera va devenir bénéfique pour les légumes, tu n'auras pas le droit de planter tes légumes sous la Hachera. Tes légumes, tu n'auras pas le droit de planter tes salades vertes sous la Hachera. Maintenant, Rabbi Yossi, Omer, Rabbi Yossi nous enseigne. Rabbi aussi nous enseigne qu'il ne mettra pas non plus de yerakot, de légumes, bimot akshamim, même les légumes, même durant les jours de pluie, tu ne les mettras pas en dessous. On apprenait Tanakama, il nous avait dit que les légumes, on a le droit de les mettre durant les jours de pluie, parce qu'au contraire, c'est bénéfique de recevoir le peu de pluie, le peu de soleil qui frappe, c'est bénéfique, donc la Hachera, elle nuit aux légumes. Alors Rabbi Yossi vient et nous dit, ben non, sache que c'est pas vrai, la Hachera, elle a quand même un apport bénéfique pour les légumes, pour quelle raison? Il est vrai que tu perds le soleil qui tape, mais tu gagnes autre chose en retour. L'anémia, alors l'anémia, c'est le. Cette fois-ci, ça signifie les feuilles mortes qui tombent. D'accord? Pas comme dans ma matra. Dans ma matra, anémia, c'était une sorte d'animal sauvage qui mangeait des coqs. Là, cette Némia, on parle que c'est. Némia, ça signifie, je ne sais pas, c'est la première fois que je ce mot en fait, le feuillage, les feuilles mortes qui tombent. Et bien, un Némia, nos chères et aléem, donc les feuilles mortes qui vont tomber de l'arbre, et bien, elles vont tomber sur ces légumes, vehova la hen les avel, et elle va en faire des engrais. C'est-à-dire, le fait que, regardez, on va se retrouver avec les feuilles de la Hachera, de l'arbre, de Avodazara qui vont tomber, elles vont sécher, elles vont tomber, donc elles sont interdites à en tirer profit. Et ensuite, elles vont se mettre à pourrir, à moisir. Et ensuite, elles vont faire entrer des oligo-éléments dans la terre. Et ça va aider tes légumes à mieux pousser. Donc, tu es en train de tirer un profit de la Hachera. Donc, tu n'as pas le droit de planter tes légumes, même en hiver. Tel est l'avis de Rabbi aussi. Il y a maintenant un grave problème dans cette histoire. Bon, il va falloir expliquer Tanakama. Mais en plus de ça, je vous rappelle une autre discussion qu'on avait vue en haut. L'histoire de comment détruire la Avodah Zarah. On avait là-bas, très rapidement, on avait vu, vous voyez, il y a un nom, Barthénora, je vous fais un petit résumé de tout ce qui est écrit dedans. On avait vu la notion de Zevazé Gorem, qui avait une discussion sur Zevazé Gorem, lorsque deux facteurs s'associent pour créer et un troisième produit, un nouveau produit. Il y a un facteur qui est permis, un facteur qui est interdit. Est-ce que le produit devient quelque chose de permis ou quelque chose d'interdit? On avait vu la notion à propos de celui qui veut détruire la Vodazara, Rabbi Yossi nous disait, ben, tu prends la Vodazara, tu la broies et tu la jettes au vent. Et Rami me disait, non, tu ne peux pas la jeter au vent, parce que finalement, les petites poussières vont partir se mettre dans le sol, et là-bas, il y a tes fruits qui sont en train de pousser, et ça va, ça va être des engrais naturels, et donc je ne veux pas, on ne te permet pas, d'après Rami, parce que Rami pense que Zevazé Gorem, l'un et l'autre provoque, fait que c'est interdit d'en tirer profit. On n'a pas le droit de profiter de cette manière de la Vodazara. Donc selon le même principe, et là-bas il y avait Rabbi aussi justement qui nous disait, non, c'est comme ça que tu as le droit a priori de détruire la Vodazara en la dispersant au vent, et puis c'est pas grave si finalement ça va aider la pousse de tes fruits. Pour quelle raison? Parce que ça va être Zevazé Gorem. C'est vrai que le petit engrais il va aider, mais il y a aussi la terre qui va être très active pour faire pousser le fruit. Donc finalement, ton engrais il va pas directement donner un produit, il va se joindre avec quelque chose d'autre pour donner un produit, ça s'appelle Zevazé Gorem Moutard, c'était l'avis de Rabbi Yossi. En l'occurrence on a un problème, Rabbi Yossi se contredit et Rahamim se contredisent.
Double question. Rabbi aussi, toi tu penses que c'est la Zegorem Moutard, lorsque les deux facteurs, un permis et un sourd, qui s'associent ensemble, ils vont donner un produit, ils vont faire pousser un fruit. Toi Rabbi aussi en haut, tu m'as dit que c'était permis, pourquoi ici tu m'interdis à cause de cette feuille qui va tomber, qui va pourrir? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va pourrir, elle va donner des engrais. Et alors, ça va tout de suite améliorer le légume? Pas du tout, c'est encore indirect. Il va falloir que ça se joigne avec la terre pour qu'ensemble ils vont faire pousser ce légume. Donc dans ce cas-là, on a un problème. Zegorem, Rabbi aussi, tu te contredis. Et en plus de ça, même Chachami, ils se contredisent. La Gemara explique. En fait, non, Rabbi aussi parle d'après Chachamim. Moi, je pense que c'est permis de planter. Parce que Zeva Zegorem, c'est moutard. Mais vous, d'après Chachamim, qui pensez que Zeva Zegorem assourd, comme ce que vous me disiez en haut. En fait, Rabbi aussi, il est venu les piquer un petit peu. Il leur dit, quoi, vous permettez une chose pareille? Mais il y a un problème de Zeva Zegorem. Ton engrais, il va se joindre avec la terre, et ça va faire pousser un fruit de meilleure qualité, même quand il va être planté, un légume de meilleure qualité, même s'il va être planté à l'ombre pendant les jours d'hiver. Ça devrait être assourd. Et Chachamim pense qu'en réalité, non. Au final, la Hachera ne va pas améliorer le fruit. Parce qu'il est vrai que l'engrais, il va aider le fruit à mieux pousser. Mais qu'est-ce qu'il va lui rajouter? Il va lui rajouter ce que la Hachera, elle était en train de l'abîmer. C'est-à-dire, si le fruit, il était sous le soleil, normalement, il aurait poussé, on aurait eu un fruit de niveau 100. Parce que maintenant, la Hachera lui fait de l'ombre, le fruit, il va tomber au niveau 80. Et maintenant, la feuille de la Hachera qui va tomber, qui va le faire pousser, ça va le rendre au niveau 100. Bon, alors finalement, est-ce que la Hachera, est-ce que cet arbre-là, il a été bénéfique pour le légume? Non! Puisque finalement, ce qu'il lui a fait perdre à cause de l'ombre qu'il lui a fait dessus, eh ben, il a refait gagner en lui redonnant la feuille. Donc il s'avère que finalement, c'est redevenu ex aequo. La Hachera n'a pas été bénéfique pour le légume, c'est pour ça que c'est permis. C'est clair? Ben, j'espère. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv Selah.